to Tokyo, Rio, De Janeiro. Here we go, go. Hello, hello. Can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello. Do you receive my echo? My life is a party. Désolée si ça tremble un peu, car c'est une abonnée qui m'a envoyé une vidéo de son dessin alors que j'avais demandé une image en photo, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que j'aurais à redire sur le dessin, bah pratiquement rien, à part qu'il faudrait arrondir les pattes. Vu que ça fait carré, ça fait un peu bizarre. Après, c'est vivant parce qu'il y a plein de couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une grande artiste, mais bon, c'est un bon début, qu'elle persévère et peut-être qu'elle trouvera sa voie dans le dessin, parce qu'il y a plusieurs techniques, et peut-être qu'elle trouvera sa voie, qui sait, hein. Après, on passe à un dessin de Ellie en folie. Une abonnée qui a fait un dessin magnifique du étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai pratiquement rien à redire, que franchement c'est pas mal, mais c'est vrai que moi j'aime bien les dessins quand il y a pas mal de couleurs, parce que le noir c'est sinistre, mais j'aime bien, franchement, elle a super bien dessiné, elle gère de ouf. Donc j'ai jamais vu l'étrange Noël de Monsieur Jack, il faudrait que je le regarde peut-être, ça peut être sympa, ça va être inspirant vu qu'elle a dessiné ça. Donc ensuite nous allons passer à un autre dessin. Un dessin d'Angie Guerra, qui est aussi un abonné et un ami que je suis depuis longtemps, qui fait de magnifiques dessins, j'ai rien à redire, c'est magnifique, c'est une merveille le dessin quoi. Il a fait ça en un rien de temps, je lui avais proposé en live de faire un dessin là-dessus pour mon défi. Dans l'heure qui suivait, j'avais déjà mon dessin, c'est un artiste quoi, il n'y a rien à dire. Et ce qui est bien que les autres n'ont pas fait, il a signé son nom dans le dessin. Moi j'aime bien quand les gens ils signent et qu'ils marquent la date au dos, de savoir quand ils l'ont fait. Comme ça ils peuvent voir les évolutions. Mais bon, il n'y a rien à redire. Comme je disais, je préfère quand il y a de la couleur, mais noir et blanc, ça me gêne pas. Dans ce dessin-là, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour quel dessin vous aimiez le plus. Si, tapez 1 pour le royaume, tapez 2 pour le étrange noir de Monsieur Jack et tapez 3 pour Lilo et Stitch. Allez, ciao les gens! I say, New York.